it's everything like what's going to happen with the weather. Is it going to be rainy or is it going to be dry? So we have to know the conditions before we make the decision. But okay, it's 3 states, it's 30 kilometers, so it's not going to be end of the world. But if there's dust, you know, that can be a big problem. Ouais, c'est très sec, c'est plus cassant que ce qu'on avait d'habitude. On a aussi une ou deux spéciales différentes qui sont dans l'ensemble plus cassantes que ce qu'on a connu ici au Portugal. Donc ouais, il y a des spéciales qui commencent à ressembler un peu à la Grèce aussi. Ben, qu'est-ce que j'espère? Certainement déjà faire tout le rallye sans rallye 2, ça serait sympa. Et puis voir où on se retrouve après une première journée, voir comment est notre vitesse par rapport aux autres. Et puis voir une septième place, si c'est au moins une septième place, si c'est possible. We try our best and we have a spin and okay, we lose quite good time, you know, but okay, this sometime the rally and we'll see what will be for tomorrow. Ici, on pensait que partir devant c'était la solution à adopter. Le problème de la poussière, quand on part derrière, même si demain il devrait y avoir beaucoup de vent, on pense que toujours la poussière sera toujours présente. Et donc il vaut mieux vraiment partir devant la première place sans poussière.